Bonjour, Frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor lundi, votre chef à la maison qui entre la caille nous. Moi, dis-nous un grand merci parce que nous avons suivi moi et pour confiance nous. Maman, dis-nous, tous nouveaux abonnés ou bien nous-mêmes qui abonnés déjà, qui pourquoi activer cette cloche nous. Activer cette cloche là pour lorsque nous mettons une vidéo, pour que les notifications qui montent, même si nous pas guetta pour nous garder vidéo, juste présenter like, les compter comme si nous étions well. Ça, c'est la meilleure façon pour nous encourager. Pour nous aider à avancer avec cuisine créole là. Donc, je dis à la m'bral fait pour nous yon ti liqueur de citronnelle. Pour me faire liqueur de citronnelle là, moi gagne 225 g de citronnelle. Si toutefois pas une façon pour mesurer, ou à peine prendre deux belles pieds citronnelle bien longues et pour couper en morceaux. Moi dépose là dans la chaudière. Et puis moi prends 4 6 nous-mêmes, haïtiens, nous relis ça, cannelle aussi, nous dit cannelle étoilée, mais son anis, il relis. Nous prenons 4 petits graines anis avec toutes les graines y en dedans, moi déposer là-dedans. Quand y a là, moi prends 3 tasses d'eau, moi mettez là-dedans. Et voilà, 3 tasses d'eau. Moi prends mettre 3 tasses d'eau, ça bouillit. Ça veut dire moi chercher goût en dedans citronnelle là et en dedans anis là. 3 tasses ça qu'on arrive à une tasse, puis après ça qu'on va l'ajouter une tasse d'eau sous lit, et puis pour mettre 4 tasses de sucre, et puis nous allons voir toute procédure là. Ok? Voilà. Quand on a là, les fines bouillies là, on mesure. Ok? Ok? Nous allons mettre une tasse. Mettez là-dedans. Quand on a là, on fait mes fois. Ben, on répond quelques questions, nous allons poser. Pour qui ça m'oblige à faire réduire avant avec de l'eau et puis m'a ajouter de l'eau encore, m'a si m'a ça. Si toutefois m'a fait le bouillir ensemble avec sucre là, qui ça que t'as privé? Sucre là, t'as tout de suite y aller en sirop, il pas t'as qu'à bouillir encore. Avec dit t'as perdu tout goût citronnel. C'est pour ça m'a fait le bouillir avant. Qu'on a là, m'a mettre une tasse d'eau froide là-dedans, plus 4 tasses de sucre là, ok? Qu'on a la même mette yon l'autre tasse de la dan. La chale a vint diminuer. La tasse sucre la qu'on a la mwen mette la dan. Mwen mélange la avec sucre brun. Pour le cas ti jan brun. Mais si vous voulez faire vraiment bon ti koule verte, faites avec juste blanc simplement. Ok? La mette 4 tasse sucre la dan. Qu'on a la, pas oublié mwen sensé gagner 2 tasses liquide. Qu'on a gen moun qui pose une question. Est-ce qu'elle pas ka fè le piye pe? Oui, ou capable de faire le pied épais. Pour faire le pied épais, c'est simplement, on va quitter le réduit davantage. Et pendant que le sucre a fait une fonte, qu'on a tout de suite fait, moi je vais ouvrir le four encore, qu'on a le bouillir pour le réduire à moitié. Moi, elle encore, elle le réduit. On quitte l'année. Mais de temps en temps, je brasse pour qu'il me fasse sucre, moi je bien fondre. Qu'on a noué la bouillie là, une fois qu'elle a commencé à bouillir, à ce moment-là, on va mettre un pile de fait en bas, ok? Moi mette fois 6, ok? La bouille tranquillement, elle pas brûler en bas. Et puis tout gouillot m'a serré là-dedans, ok? On nous quitte là. Pendant la bouille, la nouvelle commence à faire cum. Raison fait commencer à faire cum là, c'est parce qu'elle commence en sirop. Qu'on a moins mis volume de fer à E4. Qu'on a qui ça m'a le fait? M'a mette 3 tasses d'alcool là-dedans. Dans 3 tasses, je vais mettre 2 tasses de bouillie là-dedans tout de suite. Avant que les gens soient à moitié. Hein? Et on tasse. Et on l'autre tasse. Qu'on a là, je vais toujours quitter la petit volume petit. Il y en a dans 4 là. Je vais quitter le rebouillir encore. Qu'on a pour la réduire à moitié. Dans l'elfe, je réduire à moitié. Et à ce moment-là, je vais pouvoir retirer et puis je vais mettre de côté. Qu'on a là, nous arrivons. Côté qu'il a fait cum, ça veut dire là, il est en sirop, ok? Normalement, qu'on a qui ça me fait là, c'est prêt là, ok? C'est, aussitôt que moi du là, c'est sirop. Là, moi, je fais mes fous, moi. Et puis, qu'on a là, regarde ça bien. Pas oublier de mettre 2 tasses d'alcool bouillie là-dedans. Pour qui ça me mette le bouillie juste pour être nous-mêmes. On a là, moi, je fais quitter le descendre, bien descendre. Moi, je mets là, un pot. Ou bien n'importe quoi qui est capable de supporter, mais surtout qui a une couverture. Ok? L'important, il faut une couverture. Qu'on a là, mets l'autre tasse d'alcool là, dernière, moi, mettez là-dedans. Pas oublier là, qu'on a là,
Et comme ça, je dépose là-dedans. Tout de suite, je couvre. Je couvre pour ne pas quitter l'air entrant dedans. Pour qui ça? Pour qu'il y ait toujours gagnant, pour que le liqueur là ait un très bon goût. Ok? Qu'on a la fine, fine, non, petit, j'en refroidi, ben refroidi, et puis qu'on a la, m'a pouvelle là, on a pas gagné l'air cap sotil là. Ok, m'a quitté le comme ça, et puis après ça, m'a vidé le long bouteille pour nous. Mais il a, qu'on a, mais il est là, ok? On a la, m'a laissé, ouais, comme gars, pour le monde qui était besoin de paix, un petit peu. Et voilà, regarde. C'est vraiment sirupeux, très sirupeux. Et regarde. C'est excellent. Succès sur toute la ligne. C'est vraiment excellent. Oh. Citronnelle a un goût qui n'est pas habitué. Ouais, là. Okay? Lorsqu'on parle de goûter le wap bagay, il n'y a pas le même goût qu'on a habitué à boire. Mettons un petit glace dans ça et puis. Bon bagay. Merci parce que nous partagez pas jamais. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédor lundi, votre chef à la maison qui tente la gagne. Merci.